Nous jeudi à mardi 24 juillet 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la cabane capable côté pour deuxième sortie télé-journal pour semaine ainsi là. Donc c'est déjà un peu souhaité tout le monde passer une bonne journée mardi sous télé-national d'Haïti. Rapidement, mais ensemble pour capable pour faire essentiel journal là pour maintenir pour une fois qu'on a travaillé bétonnage à plusieurs ruines à Sainte-Ville Limbé démarré depuis semaine passée. Les citoyens en commune Silla exprimé contentement pour travailler ça au café dans le cadre des caravanes changement. Dans le cadre du programme renforcement production de l'eau potable dans le pays, il n'y a pas visité ailleurs avec la presse travail qu'a fait dans plusieurs stations dans le département de l'Ouest. Dans l'occasion 49e conférence le lundi de la presse qui déroule dans le ministère de la communication, il recevoir hier lundi à un membre du comité gestion centre ambulancier national, Dr Didier Ewolui. C'était occasion pour Dr A parler sous mission Cannes, bilan activité comité SILA avec ensemble perspective. Conseil supérieur salaire, conseil supérieur salaire a réalisé hier lundi 23 juillet. Yon chita parlé avec divers monde qui travaillent dans les médias, dans l'idée pour capable travailler, dans l'idée pour capable collecter plutôt informations sur ce secteur pour compléter le 5e rapport et puis permettre le bailleur pouvoir exécutif là dans le mois août cap vinila. Et puis à l'échelle internationale, nous allons dans le pays la Grèce pour nous faire qu'on a 50 personnes déjà perdu la vie et on va les 696 l'autre vivre joindre secours dans le pays la Grèce à cause du fait qui éclaté dans le pays là depuis 9 juin lundi d'après responsable la Croix Rouge. Voilà, ensemble pour savoir quand il l'autre appel pour faire essentiel le journal là pour matin. Pas vite, 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 merci pour ce que toujours été de la télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans l'information. N'a pas démarré avec première information. Jacques Internet, c'est l'aimer ensemble titio pour nous faire qu'on a travaillé à bétonnage à plusieurs rues dans cette ville Limbé démarré depuis semaine qui se passait là. Citoyen en commune Limbé dit au content pour travailler ça au café dans le cadre des caravanes de changement. Richard Sonne Joudan à quel ordre Jean-Jacques t'es déplacé pour terre. Je t'en fais vite suivre. Travail bétonnage plusieurs zones dans le département de nos pays après poursuivre. Kounia, c'est tout par commune Limbé qui gagne quelques jours depuis béton commencé à couler dans diverses rues dans cette ville-là. Travail ça qui est entré dans le cadre de caravane changement commence à bailler quelques contents dans la population par rapport à l'eau et puis la boue qui était contre bailler au problème. Oui, je suis content de route là qu'on fait là. En pile, pour de l'eau. Pour de l'eau encore pour nous pas marcher dans de l'eau. Nous comptons pile. Nous comptons pile tout le travail ça qu'a fait là. Parce que moi-même, nous n'avons pas sans pile misère. Et en plus, je vais demander aux députés à merci un peu pour ça y faire. À tout le magistrat, à tout le délégué, à tout le président. Date n'a pas fait misère dans ce moment-là. Pour tout ça là, pour nous, bon Dieu, faire nous joindre. Grâce à chef, on nous joindre. Je suis content. Je suis content de me fêter. Je suis content de ça qu'a fait là. Député Limbé a franchi lui, salué le travail équipe caravane changement a réalisé dans la circonscription là. Pendant le renouvelé engagement pour continuer à courir tout le travail qu'a réalisé en faveur de la population. Caravane arrivé sous nous t'attendons ça et nous, la population, bien apprécié ce geste-là et nous demandons au président de continuer le travail. Nous-mêmes, nous souhaitons le travail, ça continue sans camper parce que nous croyons dans ça l'autre zone, nous avons commencé à faire les mêmes gens. Limbé tout, nous pas souhaité pour commencer pour camper. Nous demandons plus d'accompagnement, supportez-nous pour que toute fille soit capable de jouer ça au besoin à temps pour que Limbé bénéficie du projet effectivement, j'en prévois là. Ce n'est pas seulement Sainte-Ville Limbé qui est en chantier sur route nationale là, parce que quand Limbé pour aller au bout de Vaudreuil, il y a un terrassement qui est déjà démarré. L'autre information dans le journal là, nous avons annoncé un grand point pour nous faire connaître la direction nationale de l'eau potable à Sainte-Ville Limbé n'est pas fait une visite guidée avec la presse pendant le journal lundi 23 juillet dans diverses stations côté de n'est pas travail dans le département de l'Ouest là. Travail ça y est entré dans le cadre de la robinet, tout le monde dans la population. Je vais vite suivre ensemble avec Sabine Jétien et Jonathan Duvernay. À travers le chantier ça y est, Dîner pas visé renforcer la production de l'eau potable dans diverses zones dans la région métropolitaine. Tankou, Vivi Mitchell, Wood Frère, Gérald Bataille, Tabar et Peigné pour ne citer là seulement. Première phase programme, c'est faire 13 km canalisation, mettre en bon état différents réseaux de distribution, équiper réservoirs avec bon système pompage. Tant coup, dans Vivi Mitchell,
réservoir ça doit kembe environ 2000 mètres cubes d'eau. Ça veut dire que son gros travail. Mais faut me dire nous, à côté Banque Interaméricaine de Développement qui accompagne nous, et bien travail ça pas possible si pas de cohésion en dedans cinq gouvernements, tout au moins ça qui concerne les travaux publics. Ministère travaux publics accompagne nous, et bien dîner pas bon côté nous avec toute direction régionale, plus particulièrement direction régionale au Repa Ouest qui gagne à la tête l'ingénieur Raphaël Osti, mais tout comme dit nous coordination caravane changement grâce à travers monsieur Jacques Thomas toujours porté collaboration pas plus tard semaine dernière, eh bien ne serait-ce qu'avec l'aide de Jacques Thomas de la caravane du changement, eh bien nous tapions pile difficulté pour nous voyer une équipe tuyau à juste en savo, eh bien pour nous aller reprendre le travail qu'a fait en savo. Et collaboration a toujours continué entre jeudi et demain, une équipe tuyau cap sorti en dans Port-au-Prince que gouvernement t'a metté à la disposition nous qui pral maïsade avec tout le monde. Mercredi ou bien jeudi, une équipe l'autre tuyau qui pralé juste Belader. Eh bien, ça va gagner environ 15 jours. Conseiller spécial président, à savoir M. Adouin Zéphirin, qui ouait effort que nous avons fait juste au cap pour nous faire tuyau vini, eh bien, il dit qu'il pral mettre flatbed à la disposition. Nou. Après Vivi Michel à Tabar, là, nous avons pernier. Côté gain deux forages, sous 8 forages, qui sortent rivière grise, dîner pas à diriger vers différents réseaux. Là, côté Nia, là, Jean technicien sous de bonne information. Bon côté nié pernier là, c'est-à-dire au niveau de mairie Pétionville, nous gagnons deux forages. Chaque forage yo gon capacité de production qui avoisine entre 180 et 200 mètres cubes par jour. Eh bien, l'autre côté rivière grise là, à savoir quoi des bouquets, en conséquence, l'issue de l'obédience mairie quoi des bouquets. Eh bien, il y a 6 forages. Eh bien, Jean, M. Dubos, Patrick, saute ban nous information. Hein? Eh bien, appareil ça, nous aide nous là. Eh bien, même appareil ça, il y a une par l'autre bord, rivière grise là, à savoir quoi des bouquets. Eh bien, c'est un tunnel qui a passé en bas rivière là, avec une profondeur de 20 mètres. Eh bien, qui a permis que, eh bien, un gros tuyau, environ, d'environ 600 mm, 500 mm, à permettre, eh bien, 6 forages qui bon côté quoi des bouquets, et 2 autres qui bon côté peignes, reliés ensemble, eh bien, qui pralban nous en production d'environ 32 000 mètres cubes d'eau par jour. Technicien au moment des populations prend installation du Népaïo en considération parce que c'est dans l'intérêt de toute réalisation ça a fait. Sur ça que nous posons, c'est le travail divisé en 4 tronçons qui va permettre nous augmenter production et faciliter changer horaire mounio. Mounio gagne 2 jours de l'eau que nous allons arranger ça, puisque nous allons gagner plus de l'eau sous R120. Mounel va améliorer, Gérald Bataille, Mounel va améliorer. Et Mounel Michel qui n'a pas de gagner de l'eau, nous allons capable de faire de l'eau, planifier de façon ou redistribution pour satisfaire tout le monde, Mounel qui n'a plus rien pour mieux alimenter. Zone qui a premier senti, c'est zone Delmayo, qui est extrêmement important avec zone Gérald Bataille, pour commencer à sentir le travail, ça a commencé dans fin décembre. Pour qui ça? C'est parce que le réservoir R120 qui existait, depuis que nous portons de l'eau, nous arrivons à l'autre bord, c'est évident que nous avons une grosse amélioration. Donc, il y a quelques difficultés nous joindre dans la zone, avec incompréhension. Et mais tout, si ce n'est pas une bonne collaboration, mon Dieu, certaines fois, nous ne pouvons pas arriver à faire tout le volume de travail. Ça. Mais malgré tout, nous avons des difficultés avec la population, certaines fois que nous demandons de comprendre nous et comprendre que le travail qu'a fait, c'est un travail qui est extrêmement important pour nous capables d'améliorer. Nous connaissons pas tout le besoin, mais nous voulons finir avec le travail ça pour nous capables d'améliorer les conditions de l'eau. Travail renforcement, production de l'eau potable, joint financement, Banque Interaméricaine Développement BID. Maître d'ouvrage là, c'est dîner pas dans tête collée à Corépa Ouest. Il y a un film d'exécution qui porte le nom Un Katema Soeko. Et film de supervision, c'est ça fait.
Cette information dans le journal là, le programme est Kaipa, mais éclairé à arriver dans la commune Terre-Neuve, côté environ 450 familles bénéficiées qui est en poule pour retirer au neuf et noir. Distribution sa fête week-end qui s'est passé là, en présence de quelques autorités politiques dans la zone. La famille de suivant, c'est Maïka, Falan Delphé et Pierre Vipia qui est sur place. Kit sa ki gen yon pano sole ak katanpoul ap pemet populasyon nan komin Terre-Neuve recharje telefon yo, koute radio epi klere kay yo. Otorite nan zon nan ki ta patisipe nan distribusyon sa, felisite program sa yo rekondisyon lan vi populasyon an. Si yon bay nan datan depi lontan, e se si depi le prezident Jovenel te vin nan komin Terre-Neuve. Fom dou se te yon opotunite ke moun Terre-Neuve te gen, di fek le prezident te vin isi pa helikopter, le sa te an kampay, el te di pou fete te bezil te pase pa wout, e le sa sor yo di ak yon netman amelorasyon, se pa lèk te egziste. Se sou kaos, se wòch yo tap mache. Men debi avènman prezident Jovenel, nou te di ke fò komin den ev chanji. E prezident Jovenel te di ke li men la travay avènman men ki el yo, ke debi de ke majista Azek pou pèmèk yo kon lòt chanjman, lòt figu nan komin den ev. E se kon sa, program Kaipam Kleria, e nou te inskri tèt nou la dan, nan komin den ev. E komin den ev te inskri, nan Kaipam Kleria, et c'est comme ça journée jeudi samedi a nous est que et sa présidente dit a li concrétiser ça veut dire dans deuxième section communale Terre-Neuve yo les bras neuf donc toute localité qu'elle gagne là-dedans yo jeudi a bénéficié d'un kit solaire et qui permet que 215 ans depuis que mon a vivre dans la tête gridap dans la bob bejam nous on dit là dans petit baleine qui connait bouler caillou pour que problème jeudi a moi son contentement tout mon a juste rester la caillou pour ouais lumière en poule. Et tout ça a fait après 215 ans. Pour journée aujourd'hui, nous avons 450 familles qui sont touchées. Et il y a d'autres qui sont en cours qui sont venus pour nous être capables de faire après 500 familles pour permettre que le programme qui était 500 familles par section communale là capable de toucher entièrement dans la deuxième section communale de Terre-Neuve et de Bois-Neuf. C'est un gros jour pour tout le monde dans la deuxième section Bois-Neuf. Côté président Jovenel Moïse, à tout le staff. Qui ensemble avec yo voyez lumière pour tout moun yo nous même Kazek qui en dedans section communale yo nous senti valer nous augmenter président augmenter valer nous devant toute population qui vit dans section communale yo c'est pas ton bagage yo t'ai jamais pensé dans la vie yo t'ai capable joindre jodi a paysan gen lumière kayo clairé yo pas plus menti dans bobèch encore ba ki pou ba la fumée gen des fois ou ti moun yo kon levé matin ti bébé là levé ou fou mais non tourne ti moun non gado wè kras la fime en tournoi. Je dis à grâce à président Jovenel Moïse, ça finit pour nous. Plusieurs moun nan zone nan remercie administration Moïse là pour programme ça. Yo fait konnen ki sa pral servi yo pour créer kayo, mais tout aider économiquement parce que yo pa nan acheter baleine à gaz pour l'an tête gridap encore. Kay pa m clairé a soya, me senti content et me profite occasion tout pour me saluer président Jovenel Moïse à tout gouvernement. Et me senti fier tout parce que à soi am nan lumière et hier soir l'aime t'est passé hier soir l'aime t'est dans ka là c'est l'aime peut-être grid d'appliment mais kou li a soi a kay pa me clairer grâce à président Jovenel parce que me senti content parce que m'étais dans l'aime peut-être grid d'app qu'on y a la même belle lumière m'a clairé me senti mal à l'aise. Depuis que mon petit, m'gardé, m'bâche, ça, parce que ici, c'est un petit côté qui est en cache-cache. Mais pour le moment qu'on y a, depuis le président Jovenel vient représenter, il fait vivre, il vient dans le bouc Terre-Neuve, il parle avec nous, mais qu'on a bon débat à licencier, nous avons pris bon Dieu dans le GV pour M. Autonome, pour tout un temps. Et pour y aller, moi, bagage ça. Avec tout président passé, oui. Tout président passé, l'élite passé, et première fois. Moi, ça. Et ça va dire, président. Que l'on a dit un pile merci à toute famille qui est ensemble avec lui. Un pile merci. Et ça fait moi. Programme ça qui a commencé dans la troisième section communale, c'est vrai, dans Tiburon, déjà permet plusieurs milliers de familles dans la zone rurale de retirer le coyote dans le fait noir. C'est le principal objectif, président Jovenel Moïse.
Nous continuons avec l'information. Nous prenons beaucoup de temps dans le ministère de la Communication pour une fois qu'on a eu l'occasion 49e conférence le lundi de la presse. Le ministère de la Communication recevra lundi 23 juillet 2018 là, un membre du comité de gestion de centre ambulancier national, Dr Didier Héroy-Louis. C'était l'occasion pour Dr Didier Héroy-Louis parler sous mission Cannes, bilan activité comité ça réalisé dans l'institution, perspective yoga, à quelle difficulté il y a peur rencontrer. Il y a un reportage avec Rachel Saint-Fort et puis Laure d'Alijoujacques. Gérer toute urgence, tout côté, tout temps. C'est le slogan centre ambulancier national qui a pour mission porter assistance à ces coups par les gens qui sont blessés, malades, femmes enceintes, tout le monde qui a besoin de tout côté dans le pays. D'après Dr Didier Héroy-Louis. Selon Dr Louis, centre ambulancier national démarré à 30 ambulances, sorti 2012, arrivé 2015, dépassé à 70 ambulances. Et puis jeudi, il y a plus passé 50 ambulances qui fonctionnaient. Il y a 12 ambulances qui réparaient. Il y a 11 nouvelle ambulance qui fait venir qui va l'ajouter dans la flotte là. Il y a 14 ambulances qui en attente de réparation. Et m'a précisé, m'a profité dit que le centre ambulancier national dérapé en 2012, l'été dérapé avec 30 ambulances. 30 ambulances que coopération brésilienne t'a offri. Et de 2012 à 2015, le centre ambulancier national vient passer à 70 ambulances. Et en ambulance qui ont durée de vie tant que tout véhicule. Et l'ambulance dans lui-même, les gombards est particulier là-dedans, l'ambulance fonctionnait, il y a 100 ambulances qui fonctionnaient 24 sur 24. Donc, l'organe y a une quantité d'ambulances qui a fait fonctionner 24 sur 24, et durée de vie à l'événement plus petit toujours. Machine ça y a, c'est des machines qui travaillent en pile. Donc, et au Vinjouen, dans l'année 2015, l'année 2016, il y a un pile d'ambulances qui a tombé en panne. Il y a un pile d'ambulances qui a tombé en panne, et c'est ça qui expliquait, je dis à ces 51 ambulances sous 72 ça, qui fonctionnel. Et nous capables de dire entre 51 et 60 li aussi. Pour ça entre 51 et 60 parce que hier le m'terelé dans le sud-est par exemple, il y a 6 ambulances qui étaient fonctionnelles jusqu'à vendredi mais il y a un qui prend pas samedi. Donc ça vient faire que ces 5 ambulances que nous mettons fonctionnelles dans le sud-est. Et toujours pour entretenir matériel roulant ça yo, pour permettre que matériel roulant yo fonctionnel, que véhicule fonctionnel via by service, actuellement dans un nouveau local centre ambulancier national, il y a un garage. Il y a un garage qui gagne capacité pour faire réparation machine yo, il y a un garage qui gagne capacité pour faire entretien dans machine yo. Il y a une quantité matériel pour joindre nos ambulances. Et ça t'est qu'on arrivé que effectivement ambulance t'est qu'on a sorti soit au manqué matériel, soit gain de matériel si on fait 3-4 urgences matériel là fini. Donc dans ce sens ça, ministère de santé publique lui-même à travers fonds qui est disponible dans le trésor public, il fait acquisition dans le mois d'avril qui s'est passé là et il y a un stock matériel qui est capable de permettre centre ambulancier national Kimbé pendant 6 mois. Si ambulance pour mon centre ambulancier national, centre d'appel là c'est quel? D'après explication responsable Kanyo qui fait qu'on est pour zone métropolitaine là, il y a eu gérer 1200 cas urgences chaque mois. Centre d'appel ça que n'a pas gardé là, c'est nouveau centre d'appel centre ambulancier national là qui gagne 12 postes de façon simultanée, tous les 12 postes sont capables d'occuper, complètement informatisés, qui n'ont pas un lien à envier à un centre d'appel dans un pays dans le Caraïbe là. Et c'est un centre d'appel qui permet, avec technologie que rien n'a donné, que appel a passé de un poste à un autre. C'est-à-dire, si le premier opérateur a lui-même son appel déjà, automatiquement, appel là, il a passé à deuxième opérateur, troisième opérateur, et une après l'autre. Et dans ce sens-là, il permet de réduire le temps d'attente. Pour me faire tirer toujours dans ce centre d'appel là, c'est mon ça que nous sommes gardés là, qui a recevoir près de 2000, un peu plus de 2000 appels par mois. 2000 appels téléphoniques par mois. Et ces 2000 appels téléphoniques, ça qui permettent que nous gérer le ambulancier prend la rue, en moyenne 1200 cas d'urgence. Et là, m'a parlé uniquement de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, la grande aire métropolitaine de Port-au-Prince, avec différentes communes, il y en a d'ailleurs. Nous avons géré 1200 cas d'urgence, nous intervenus, nous bail assistance, 1200 cas d'urgence par mois, à partir de centre d'appel, ça, qui est même à prier appel, yo. Fait promotion pour numéro urgence 116 là, réorganiser personnel réseau, yo, augmenter couverture dans le pays, aménager une salle formation avec un réfectoire, bail pays, une structure prise en charge urgence préhospitalier, élaborer un plan d'affaires pour Cannes, former population sous premier soin avec ses coûts. C'est parmi différentes perspectives responsables Cannes, yo, pour permettre institution ça, bail population service, comme ça doit.
Merci avec collaboratrice nous Rachel Sifor qui t'a présenté nos reportages si là l'autre information conseil supérieur salaire a réalisé lundi 23 juillet 2018 là nous chita parlé avec divers monde qui travaille dans média dans l'idée pour collecter information sur secteur si là information ça yo doit permettre CSS là compléter 5e rapport li et puis remettre li back pouvoir exécutif là le mois août cap venir là Polycap Pierre Joseph, représentant secteur travail dans CSS là, promet discussion à continuer avec tout l'autre secteur. Et puis CSS là prend en considération revendication tout secteur. On a même écouté plus explications de micro Lunel Jean-Louis avec Hervé Pierre. Le 28 et le 29 juin, nous avons fait deux journées d'atelier. Côté nous avons réuni des sociologues, des économistes pour nous chercher information pour être capable de servir nous de base pour élaborer le cinquième rapport là. Parce que l'année dernière, il y a des représentants de travailleurs qui ont dit que l'information était utilisée, était fausse. Et comme nous connaissons d'abord sous information IHSI Banou, Banque Centrale Banou comme taux de référence pour taux d'échangement, qui base de travail c'est CSS là. Donc, noter, puisque l'information, ça prend qu'au sorti dans l'IHSI, nous avons invité l'IHSI, nous avons invité Banque Centrale, nous avons invité le ministère du Commerce, le ministère des Finances, pour nous brasser des problèmes, pas nous tous, parce que nous avons invité patron de pression, il n'y a pas venu. Nous avons invité le ministère de communication qui était doué là, tout pour nous mettre l'État, patron ou un travailleur. Malheureusement, l'exercice ça pour matin, il n'est pas fait, mais nous allons essayer de garder. En jeudi, lundi, puis nous avons rencontré l'autre groupe après-midi, mercredi, nous avons rencontré, vendredi, nous avons rencontré avec Gros Mossoa, qui fait plus bouillir que le secteur textile là, et nous décidons, comme je dis tout à l'heure, inviter représentants travailleurs dans le secteur textile là, pour nous venir chita ensemble en face. Rappelez-nous qu'en mars, nous avons dit que le 1er août, il faut nous débattre un rapport là, de façon que loi 2009 là, demandé, c'est 1er octobre. Même là, nous ne font pas quelque temps, c'est 1er mai, mais loi 2009 là, dit c'est 1er octobre. Nous-mêmes, CSS là, depuis l'année dernière, nous voulons mettre dans respecter loi 2009 là, et en ça, nous avons dit, nous avons mettre un rapport là, 1er août. Et c'est ça que nous avons mis bouchée double pour nous finir faire rencontre et pour nous chita en négociation. Toujours dans le même dossier, si là, ministère te suivre. Pour le secteur textile, là, respecter, ça, les minimum de bail, là, respecter. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que on pas bail tel bail qui fixé, tel salaire qui fixé dans le textile, là, sinon, on a une inconformité, non-conformité. Et non-conformité, ça, nous jouons de tout l'autre côté dans l'autre secteur. Cependant, depuis nous, Kassa, nous jouons Kassa, inspecteur, nous jouons Kassa, dans le ministère des Affaires sociales, il y a relé le ministère des Affaires sociales, le ministère des Affaires sociales écrit, et responsable entreprise, là, pour que lui mette le conforme par rapport à la loi 87, par rapport à la convention 87, alors, par rapport à la convention 87, par rapport à la code du travail, là. Ou là, c'est comme ça que le fait. Et nos conformités jusqu'à ce que yo résoudre problème dans le monde dans salaire normal parce que si parce que pas oublier me dit nous que salaire qui fixé pour segment yo c'est salaire que plancher lié ça veut dire petit comme monde dans ca joindre ça veut dire que toujours parler de professionnel en professionnel qui font travail lui même les sous textile gien monde qui fait 500 gouttes par jour gien monde qui fait 600 gouttes gien monde qui fait 700 gouttes par jour oui mais grand pile décision qui même rive tribunal oui grand pile décision parce que ou faire inspection ou rive ouais non conformité monde a plein il revendique m'a parler de secteur directement non parler de tout secteur en général nous n'a plein qu'on est là monde n'a venir là côté pente affaires sociales les rive affaires sociales yo convoquer et mettre entreprise là ou bien et secteur commercial ou bien hôtel ça dépend de côté lié à n'a plusieurs convocations parfois monde là qu'on rive à parce qu'on est code du travail là lui-même il dit que mais comment on ca révoquer un monde depuis monde n'a fait ça ça gain pour le faire il garder article 44 il garder article 45 li wakel baba il ka ba mon prestation légale li niveau l'aller parce que dit que sou pas te mettre mon au courant pas de grand préavis parce qu'il faut t'aviser mon à l'avance pas faire ou appel li normalement en monnaie ou balier en com ça veut dire que ou ba mon ça dépend de combien de temps mon gagne dans entreprise là ça veut dire que ou pas vérifier après avis par exemple si mon gagne 3 ans dans entreprise là avec un grand jus li ou ka connaît ça et ou connaît gagne temps pour balier comme préavis si mon gagne 10 ans ou connaît gagne 4 mois préavis pour balier vous comprendre ça veut ça vice versa ça veut dire
pour regarder combien de temps on a passé et puis pour se révoquer. Si on n'est pas d'accord, j'ai révoqué. Il va aller dans l'affaire sociale, service conciliation, le soutien de conciliation, si bah, la carrière fait tribunal. C'est ça qui fait toujours un paquet de dossiers dans le tribunal spécial travail. Nous parlons pour que nous ayons parlé haïtien pour une fois qu'on a un président de la commission finance dans le Koua, sénateur Jean-Rigo Bélizier a annoncé la commission a payé pour organiser plusieurs réunions de travail avec quelques économistes et puis divers secteurs de la vie nationale pour analyser le budget rectificatif 2017-2018. Le ministre finance a déposé 28 juin passé un budget ça qui est évalué à 156 milliards de gourdes dans le Sénat République. Là. Sénateur Jean-Hugo Bélizier a expliqué qu'il a invité plusieurs ministres pour discuter sur l'argent qui est réparti pour le fonctionnement du ministère. On a invité à suivre le micro Fédéric Confident et Moïse Ubridge. Le week-end passé, nous avons lancé un ensemble de rencontres. Donc demain, nous allons nous rencontrer avec économistes. Nous déjà président et Sénat. Sous demande, nous, au niveau commission, déjà fait invitation. Demain, après première rencontre, nous, avec ensemble économistes, parce que l'objectif, nous, c'est rencontrer tous les secteurs en façon pour y avoir un point de vue sur le budget. Le gouvernement qui est principal conseil légal, il doit défendre le budget là, alors que le gouvernement démissionnaire, comment on fait? Bon, si nous prenons la constitution 1987 avant amendée, l'article 165, il dit que le gouvernement démissionnaire, il doit rester en fonction jusqu'à ce que l'autre premier ministre et dans le cas ça, il vient pour liquider les affaires courantes, ça veut dire les affaires en cours. Pas oublier le budget, ça a été déposé avant même le gouvernement de démissionnaire, donc nous avons considéré le budget rectificatif là comme une affaire qui est en cours. À partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous sommes capables d'inviter les ministres, parce que nous avons des affaires courantes jusqu'à présent, pas de loi qui détermine les affaires courantes. Et les noms, eu égard à la Constitution de 1987, à l'article 165, nous n'avons pas eu aucun inconvénient pour que nous n'avons pas rencontré avec le ministre. Cependant, dans la pratique, nous toujours rencontré le ministre et au niveau du Parlement. Mais c'est pour une loi qui dit qu'il doit rencontrer un ministre et doit faire une analyse d'un budget de loi. Il faut que c'est exactement au niveau du Parlement pour rencontrer. Donc c'est ça qui fait que si normalement on n'est pas obligé de rencontrer le ministre, on est obligé chita ou analyser le budget, si pas un inconvénient, si pas des questions qui sont importantes pour poser au ministre, ou tu as fait analyse ou faire rapport et puis ou voter. Cependant, si il y a des questions qui t'a intéressé pour nous rencontrer un ministre, nous avons une équipe technicien et nous-mêmes au niveau commission, nous sommes capables toujours de rencontrer un ministre pour discuter un point qui est important en tant que budget à vos nations. Toujours dans le Sénat République, le président Sénat République, là, Joseph Lambert, a annoncé dans le cadre d'une séance plénière, l'Assemblée sénatoriale a réfléchi sur la façon de capable de couper dans le budget parlement et puis couper dans le privilège parlementaire. D'après le sénateur Lambert, la population n'a pas été trop bien. Ensemble, avantage, sénateur et député a pu recevoir ça qui a une mauvaise perception contre le parlement. Nous avons vite suivi un extrait de micro, ils ont eu lieu avec la mobile télévision nationale. Gagné en pleine conscience qui dégage bon côté en pile collègue et bon côté assemblée pour que nous fassions Sénat avancer autrement. Gagné en pile dans déclaration sénateur Gracia, mais autocritique non que demandé pour nous faire et lui-même il a commencé à faire autocritique par là. Et nous avons senti que le sénateur Gracia a dit que l'impératif pour que nous agissions en pile sur ce que Mounio a considéré, le grand public a considéré comme la richesse que nous gagnons dans le Sénat pour que nous, dans le prochain budget, nous agissions sous lui et faire en sorte que nous essayions de réduire le budget, nous, réduire le train de vie, nous, pas bon ici, autant que nous capables, mais par la même occasion. Il était précisé tout. Si le sénateur a vivre tout avec salaire, avec minimum que vous gagnez, il faut que les gens qui ont voté nous, il faut que les militants aient une opportunité au moins pour que le minimum que nous gagnons, nous capables au moins vivre avec les tout comme sénateur de la République.
pour que l'enterrement passe au compte nous, veille là tout passe au compte nous, question rara passe au compte nous, loyer caille là passe au compte nous, payer l'école là passe au compte nous, baptême, mariage, communion, confirmation, payer caille, payer université et autres, etc. pour que tu n'en fête pas trop Ronaldo, pour dire au moins, bah, ça passe au compte nous tout. Parce que strict minimum que nous avons gagné, nous sommes prêts pour vivre avec lui, mais il faut qu'au moins le grand public sache que le minimum que nous avons gagné, nous ne pouvons pas offrir lui. Parce que... Nous venons un moment pour nous regarder qui est dans l'actualité internationale. Je viens de annoncer les grands titres nous parlons dans le pays de la Grèce. Pour nous faire connaître, 50 personnes déjà perdu la vie et on va les 696 d'autres vivent jouer un secours dans le pays de la Grèce à cause de gros défaits qui vivent éclater dans le pays depuis la journée lundi, d'après responsable la Croix-Rouge. Selon porte-parole, le gouvernement grec, là, pour qu'on y a un bâton qui est mobilisé, mettait sous une quantité d'autres agents secouristes qui mobilisaient pour côté secours bay victime n'a noté gros différence a éclaté à cause gros vague chaleur côté température a monté jusqu'à 40 degrés Celsius. Mais rappel ensemble point qui était fait essentiel le journal là travail bétonnage plusieurs rues dans cette ville Limbé démarré depuis semaine passée à citoyen dans commune a exprimé contentement pour travail ça qu'a fait dans cadre caravane changement. Dans le cadre des programmes de renforcement protection production de l'eau potable dans le pays, il n'est pas visité hier que la presse travaille qu'a fait dans plusieurs stations dans le département de l'Ouest pays. Dans l'occasion 49e conférence lundi de la presse qui est déroulée dans le ministère de la Communication, nous recevons hier lundi à un membre du comité de gestion centre ambulancier national, Dr Didier Erol, lui. C'était l'occasion pour Dr parler soumission CANE. Un bilan activité commission SILA à ensemble perspective yogaye. Conseil supérieur salaire a réalisé lundi 23 juillet, yon complété 5e rapport et puis remettre le bail pour voir exécutif là dans le mois août et cap vini là. Et puis à l'échelle internationale, nous allons dans le pays la Grèce. Pour une fois qu'on a 50 personnes déjà perdu la vie, nous va les 696 lots. Je rive et je ne secours dans le pays la Grèce à cause de gros défaits qui éclataient dans le pays ça depuis un jour lundi, d'après un responsable dans la Croix-Rouge. Voilà, c'est l'ensemble point ça qu'un pilote qui t'a fait essentiel le journal là pour jeudi mardi 24 juillet 2018 là. Après, souhaitez tout le monde passer une très bonne journée mardi, mais surtout, n'a pas vite arrêté de chercher une plan pour suivre la reste programmation. Quant à nous, on va retrouver nous demain matin pour l'autre édition nouvelle.